une cuisse au vin, un mec chorizo, un filet de bœuf à point. Allez, on y va. On saute dessus, avant que ce soit les clients qui vous sautent dessus. Les grenouilles, le canard, les anguilles et les poissons de saison. Tout ce que nous donne la Loire, on le travaille au restaurant. La Villa Montrêve, c'est un restaurant qui existe depuis le début des années 50, dans la campagne, avec un beau jardin, dans lequel on sert une cuisine traditionnelle des bords de Loire. Les anguilles, un peu d'ail, un peu de persil, le beurre est déjà dedans, et c'est terminé. Le produit le plus typique ici, ce sont les grenouilles, qu'on avait dans le temps dans les marais de Goulaine. On sert également, en plat traditionnel, le canard. C'est du canard chalandais, c'est pas un canard saigné, c'est un canard étouffé, que l'on cuit au four, rôti, et qu'on nappe d'un caramel de muscadet. Petit canard. Très bien, excellent. Et c'est mon épouse qui le découpe en salle devant le client. Une fois qu'on a masqué le millefeuille, on va mettre des amandes autour. Quand ils vont couper le millefeuille devant le client, ils vont rajouter autour un coulis de framboise fraîche, bien sûr, qu'on va mettre autour. Voilà, tout simplement. On m'appelle à l'avance, on me dit mettez le canard au four et mettez le millefeuille à cuire, on arrive dans une demi-heure.